Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller des coffres des Seth ou de Leo. Alors les coffres, je vais vous montrer leur emplacement. Les coffres des Seth et les coffres de Leo, je vais vous montrer leur emplacement. Alors des coffres des Seth, il y en a dans toutes les chambres fortes, donc il faut savoir qu'il y a 7 chambres fortes. Donc il y en a une ici de chambre forte. Donc quand vous l'ouvrez, ben, à l'intérieur, il y a des coffres de Leo. Enfin, des coffres des Seth. Attendez, hein. Hop, je vais voler comme ça. Alors, il y a un coffre-fort qui se trouve ici aussi. Voilà. Il y a un autre coffre-fort qui se trouve là-haut. Exactement. Je crois que c'est plus ou moins par ici qu'il y a le coffre-fort. Voilà. Si je ne me trompe pas. Alors, il y a un autre coffre-fort qui se trouve ici. Voilà. Et un autre coffre-fort qui se trouve là-bas. Il reste encore deux coffres-forts. Il y en a un qui se trouve à côté de Greasy Groove, juste ici. Et il y a un autre coffre-fort qui se trouve juste ici. Alors, dans les 7 emplacements que je viens de vous montrer, donc c'est 7 coffres-forts, dans ces coffres-forts-là, vous allez pouvoir trouver des coffres de Leo. Il faut savoir qu'il va falloir fouiller 3 coffres de Leo pour terminer le défi et débloquer le masque de Native. Alors, bien évidemment, quand vous entrez dans un coffre, logiquement, il y a 3 voire 4 coffres. Donc, logiquement, si vous allez à un seul coffre, vous aurez terminé directement le défi. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que à ces emplacements-là que vous allez pouvoir trouver des coffres. Je sais que ici à Lumber Yard, plus ou moins par ici, il y a des coffres aussi que vous allez pouvoir trouver. Ils sont peut-être plus rares, mais il y en a. Il y en a aussi à Cover Cavern. Donc ça, c'est des coffres de Leo. À l'intérieur, il y a un Gunner, un personnage que vous allez devoir tuer, qui va vous donner une carte qui va vous permettre d'ouvrir le coffre de Leo. Donc à l'intérieur du coffre de Leo, ben, il y a plus ou moins 3-4 coffres aussi de Leo que vous allez pouvoir obtenir et ouvrir. Et il y a une dernière façon que moi je vais utiliser, c'est la façon du bateau. Donc ici il y a un bateau que vous pouvez voir, et sur ce bateau il y a toujours des coffres de Leo. Donc là le bateau en question est à cet emplacement là, exactement à l'emplacement initial, mais il faut savoir que ce bateau bouge dans toutes les parties. Donc il faut regarder tout autour de l'extérieur de l'île de Fortnite pour voir si vous ne trouvez pas le bateau, parce qu'il peut être tout autour de l'île, hein. Il peut se trouver là, 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 vraiment partout, parce que ce bateau ne reste pas fixe, il bouge tout le temps. Donc là, regardez, je vais me rendre dans ce bateau. Je pense que c'est la meilleure solution, comme ça vous n'avez pas besoin d'ouvrir un coffre. Après, ouvrir un coffre en solo, c'est faisable, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc vous tapez comment ouvrir un coffre en solo sur Fortnite chapitre 3, vous verrez bien comment faire. Mais voilà, c'est très facile. Après, vous faites soit vous allez sur le bateau comme je suis en train de le faire, ou soit vous allez dans un coffre directement pour ouvrir ces coffres-là. Donc, les coffres de Leo, c'est ça. Donc, ça, c'est un coffre de ravitaillement des 7. Les coffres de Leo, ça ressemble aussi à ça. Voilà, c'est presque la même. Peut-être que en bas, c'est un coffre de Leo. Voilà, regardez ça, c'est un coffre de Leo. Voilà, on a vraiment les deux. Donc, un coffre de Leo, c'est avec un logo blanc au-dessus. Et un coffre des 7, bah, c'est avec un truc rouge au-dessus. Voilà, un peu plus informatique, enfin électrique on dirait, électronique. Donc voilà, là j'ouvre un coffre, donc il y a déjà un coffre ici et un coffre en bas. Donc ça fait 2 coffres. Ici, il n'y a pas plus que 2 coffres. J'en ai jamais vu plus que 2. Donc si vous voulez terminer le défi, il vous faudra 2 parties si vous voulez venir sur le bateau. Après, si vous allez dans un coffre fort, ben là vous aurez directement 3 à 4 coffres de Leo, donc voilà, c'est à vous de voir quelle méthode vous voulez utiliser. Enfin bref, moi je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Je vous ai montré tous les emplacements de tous les coffres de Leo et des 7. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.
bruh.